Et tu as vu le piano? Ah oui, sympa. Je me demande bien quel son il a. Pour savoir, faut l'essayer. T'es fou, c'est une pièce de collection, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, bien sûr. Mais t'imagines pouvoir raconter plus tard qu'on a joué sur le piano de Robert Schumann. Y'a que toi pour avoir des idées pareilles. Regarde, y'a vraiment personne. Si tu ne veux pas jouer, alors je m'installe tout seul. Ouais, tu as raison, on peut jouer tous les jours sur les concertos pour piano de Robert Schumann avec deux N, mais on peut pas jouer tous les jours sur le piano de Robert Schumann avec un N. Et puis, dis-toi que si Schumann avait un piano, c'est qu'il aimait la musique. J'aime trop comme vous jouez. Georges, tu pourrais m'apprendre? Ouais, pourquoi pas, si tu veux. Alors, ça avance avec Georges? Oui, il y a du neuf même. Ah ouais? Raconte. Il m'a proposé d'apprendre à faire du piano! Trop romantique! La chance, jouer au piano avec Georges. Et tu le payes comment? En nature? On fait un foot dehors. Tu veux venir avec nous? Bof, je suis crevé. En plus, je dois aller acheter une carte postale pour ma grand-mère. Allez, viens! On a besoin de toi comme gardien. Non, vraiment, là, je peux pas. Allez, assure! Désolé, là, faut que j'aille ailleurs. En plus, je dois aller acheter une carte prepaid. Ah ouais, Georges, tu nous caches des choses. La pauvre excuse de la carte postale pour sa grand-mère. Je l'avais jamais entendue, celle-là. Elle s'appellerait pas Julia ta grand-mère, par hasard. Salut Julia. Salut Thomas. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Alors comme ça, t'es casé? Qu'est-ce que tu racontes? Fais pas l'innocente. Hein? Ben, c'est pas avec toi que Georges a rendez-vous. Georges t'a dit quelque chose? Non, mais le petit J sur le mot, cela ne peut être que toi. Mais je suis pas au courant. Alors, avec qui Georges peut bien avoir rendez-vous? De quoi tu parles? C'est simple, j'ai trouvé un mot doux dans le livre de Georges et je pensais qu'il venait de toi. Mon Georges, je ne peux pas le croire. Allez, suis-moi. Je sais où ils ont rendez-vous. Le banc près de la chapelle, ça doit être ici. Tu sais, je suis pas sûre d'avoir envie de le voir avec une autre. Regarde, il est là. Enfin seul. Il était temps. Oh non, je suis dégoûtée. Burke, c'est pas vrai. Deux mecs qui s'embrassent, c'est à vomir. Ça fait du bien. Georges, je n'aurais jamais pensé cela de toi. Je croyais que t'étais mon pote, mais là, c'est trop. Mais je t'ai rien fait. Embrasser un mec, c'est répugnant. Qu'est-ce que tu racontes? On est libre d'embrasser qui on veut. Mais pas un mec tout de même, c'est contre nature. Franchement, je voudrais pas être à ta place. Et puis je veux plus que tu restes dans ma chambre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Personne ne te demande de devenir homo. Georges est avec moi. Où est le problème? Rien que d'y penser, Burke. Et puis c'est comme ça. Je veux plus partager ma chambre avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben rien, on assume. C'est facile pour toi, ta mère elle s'en moque, mais j'ose même pas imaginer la tête de mes parents. Ça va, on est en 2016. On va pas te brûler vif au milieu du village. Oh, vous savez quoi? Non, vas-y, raconte. Y a deux depps dans le groupe. Des quoi? Ben, des Lady Gaga. C'est quoi des Lady Gaga? Des gays. Est-ce qu'il y a pas uns schwul? Ja und? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, c'est dégoûtant. Das ist so eklig. Mais c'est toi qui es gonflant. La tolérance, t'en fais quoi? La quoi? La tolérance. Connais pas. Y a du boulot, hein.